Yo les frères, Salbiac, j'espère que vous allez tous très bien les gars, en tout cas moi ça va nickel, j'ai pris mon petit café miel, vraiment c'est une masterclass, hein. Tellement jubilatoire. Bref les gars, aujourd'hui on va parler du concours Forge Magie, donc il y aura plusieurs millions, voire centaines de millions de kamas en jeu, comme vous savez il y aura entre 100 et 200 millions en jeu à remporter sur des épreuves longue durée, sur des épreuves one shot, je vais vous en dire plus dans cette vidéo là, vous en faites pas, il y aura aussi des items exclusifs à gagner, notamment une cap tube, voilà je vous l'affiche à l'écran si jamais vous ne savez pas à quoi elle ressemble, franchement c'est assez stylé, hein. c'est assez stylé, on va pas se mytho, donc voilà les gars, il y aura aussi les gars un investissement personnel, c'est à dire que de ma propre bourse les gars que je vais vous faire pour vous, si jamais vous remportez sur des épreuves 3 étoiles, vous allez voir comment ça va marcher, 3 étoiles que vous arrivez à la fin avec 3 étoiles, c'est-à-dire que sur 3 épreuves vous avez été premier sur différents items, et bien vous remportez en plus 2 places par Asterix, toutes fraîchement payées par mes soins que je vous enverrai directement chez vous. Donc vous pouvez aller avec votre petite chérie, avec votre copain, bref c'est moi qui ralasse, c'est moi qui ralasse, voilà les gars. Donc on va partir tout de suite les gars sur les règles du concours que je vous affiche à l'écran maintenant. Du coup les gars, pour valider un item c'est ultra simple, vous prenez un screen de l'item avec la dernière ligne de pop, plus vous faites un petit slash time pour avoir in-game le chrono, enfin l'heure à laquelle vous avez passé l'item ainsi que le jour, ça me permet de vérifier qu'il n'y a pas de fraude, et ensuite vous avez pris un screen de ça, vous le postez directement sur le Discord. De toute façon les gars, je vous montre un exemple maintenant. Donc les gars, petit exemple pour valider votre item. Donc là imaginez-vous que je suis en train d'FM, tac tac, on attend le plus 3 à ça qui se fait un petit peu désirer, allez on attend, allez c'est quand tu veux, ok, plus 3 à ça. Donc vous voyez que la fenêtre ici qui s'affiche en vert comme ceci, ça veut dire tout simplement que l'item vient fraîchement d'être FM. Vous voyez qu'il y a un petit truc en vert, c'est-à-dire que là, si j'enlève mon item et que je le remets, il n'y a plus ce truc-là en vert. Donc bref, une fois que votre item, il est en vert, donc je vais vous le remettre au cas où, comme ça, il n'y a pas de confusion là-dessus. Une fois que vous avez la dernière ligne de Forge Magie, donc celle-ci, vous faites tout simplement dans votre jeu directement time, slash time, tac, et vous avez l'heure à laquelle vous avez passé votre item, ainsi que le jour. Et en fait, tout simplement, après, vous prenez une petite capture d'écran basique, vous capturez l'écran, et ainsi de suite, vous capturez, vous mettez sur le Discord, vous avez 15 minutes pour réaliser cette manip-là, et votre item est pris en compte. Voilà les gars. Du coup les frérots, on passe directement au fonctionnement du concours, comment ça va se passer, il y aura plusieurs étapes que je vous affiche maintenant à l'écran. Du coup les frérots, comme vous le voyez à l'écran, on est sur deux types d'épreuves à bien distinguer, une épreuve longue durée qui va vous rapporter une étoile, une épreuve one shot qui va vous rapporter 0,5 étoiles, le premier à 2 étoiles remportera tout simplement une cap tube, le premier à avoir 3 étoiles si jamais quelqu'un y arrive, il remportera 2 places Asterix fraîchement payées par mes soins. Ensuite, concernant l'épreuve one shot, elle durera maximum 48 heures. Donc ça sera des items que j'aurai mis dans une liste qu'on va tirer justement en live sur Twitch au hasard. Et vous aurez 48 heures pour faire l'item le plus fat, tout simplement. Et vous remporterez directement si vous gagnez 20 millions de kamas en cash. Concernant l'épreuve longue durée, elle vous rapporte non seulement une étoile comme on l'a dit tout à l'heure, mais vous remporterez 50 millions de kamas cash si jamais vous arrivez premier les gars. C'est juste insane. Et en plus de ça, ça vous avez quand même une durée un peu plus sympathique. Généralement, ça va des items un peu plus chauds à FM. Vous avez une durée de 5 jours. Du coup, les frérots, la vidéo prend fin ici. Si jamais vous avez la moindre question concernant le concours Forge Magie, sachez que vous retrouverez tout sur mon Discord, lien dans la description. Si jamais vous ne trouvez pas encore réponse à vos questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, les gars, pour le référencement et un petit like. Si ce genre de contenu vous plaît, si ça vous hype un petit peu. Tout est dit, je pense avoir été clair. Si jamais, pareil, ça je ne l'ai pas dit, mais si jamais vous n'êtes pas inscrit, donc aujourd'hui je posterai la vidéo, on est lundi. Donc lundi, mardi, mercredi, il y a quand même 3 jours de préinscription. Ça vous coûte rien, vous dites juste que je participe, que après vous gagnez ou pas, ça on s'en fout. Mais si jamais pendant ces 3 jours-là vous n'êtes pas préinscrit, sachez que vous payerez 2 millions de kamas pour vous inscrire au concours, parce qu'il y a quand même des gros lots de kamas, et j'ai pas envie que Pierre-Jean, qui n'était pas soi-disant inscrit au début, et il voit qu'il passe un gros item, et il se dit « vas-y, je m'inscris au concours ». Voilà, c'est pour éviter ce genre de fraude-là. Tout simplement, en tout cas, si c'est hors délai, voilà, vous payerez une taxe de 2 millions de kamas qui sera directement rendue aux gens qui participent au concours, pour leur payer des runes par exemple, ça pourrait être sympa. Et puis voilà, sachez que voilà, moi je vais essayer de streamer un maximum sur Twitch durant ce concours Forge Magie, parce que
toutes mes tentatives seront faites en live, je précise quand même. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va être un bon mood, hein, que les gens vont kiffer. Et si jamais je vois que ça marche bien et que ça vous hype et qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés, des gens qui posent leur cojones et qui n'ont pas peur de, voilà, de se confronter aux gens, et bah écoutez, je ferai un concours numéro 2 avec pourquoi pas plus de d'items en jeu, sûrement des catégories d'exo bien ciblées, etc. Sûrement peut-être du brisage. Là, j'ai pas voulu faire du brisage parce que j'estimais que par rapport au coût, il y avait certains qui allaient être trop à l'ouest, et je préférais que ça touche vraiment une bonne partie des gens qui sont on va dire débutants, et d'autres qui sont un peu plus hardcore dans la FM. Et donc voilà. En tout cas les gars, moi je vous laisse ici, je vous donne rendez-vous du coup mercredi pour ce putain de concours Forge Magie. Si jamais t'as des coronaises, va t'inscrire sur le Discord. Il y a des gros lots à gagner. Il y a des places par Castarix. Il y a des CapTube. Il y a des Kama. Il y aura de la bonne ambiance. Je vais tryharder comme jamais. Et en parlant de tryharder comme jamais, les gars, regardez ce que je vous fais pour la fin de vidéo. Je sais, la transition, elle est rapide, elle est efficace. Mais vous allez voir la transition. Tryharder comme jamais, on va voir. On va voir qui est qui. Je vous le dis, les gars, le PR repasse 100%, les gars. Sinon, je m'appelle pas Albirex. Regardez bien, les gars, je vais prendre un jet de baiser. Quand je dis un jet de baiser, comme d'habitude, vous savez que c'est des calibres plus. Allez, attention. J'arrive à destination. Je prends ma petite rune et je prends l'item en question. On va finir la vidéo là-dessus. Pour clôturer ça en beauté, les gars, 490 de vita, over de 140 vitalité, la miniature, elle est magnifique. Full pain, nerf perf, moins 2 sasa, rien à redire, les gars, magnifique. On la prend et je clôture la vidéo là-dessus, les gars, avec un petit PA qui pop. Regardez-moi cette confiance que j'ai en moi. Toujours avoir confiance, les gars. On met le PA ici, tac, on vérifie que l'item est bien signé. Je vous laisse là-dessus, les gars, bye bye. So, whoa. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra.